Bonjour, je m'appelle Muntaga Keita, je représente la compagnie Tulip Industries. Je suis inventeur, je suis PDG de cette nouvelle entreprise de haute technologie, ici basée en Guinée, en Afrique de l'Ouest. Et nous créons l'avenir, nous créons ce dont l'Afrique a besoin, nous créons ce dont le monde a besoin. Nous sommes là, nous travaillons en Afrique avec la jeunesse africaine. Dans cette entreprise, la majorité des employés, ils ont tous moins de 35 ans. Nous développons l'Afrique. Nous fabriquons des outils aujourd'hui très avancés qui gagnent des médailles d'or à l'international, au Salon international de Genève, au Salon des inventions de Cotonou, en Guinée même, dans l'événement de la semaine du numérique. Nous manufacturons des bornes de très haute technologie, les meilleures bornes aujourd'hui en Afrique et dans le monde aussi. Nous avons un département marketing, un département IT, nous avons un département tôlerie, nous avons tous les départements qu'il faut pour créer cette technologie made in Africa. La borne interactive existe déjà dans le monde, mais cette borne guinéenne appelée le ténor, cette borne africaine, dépasse les autres bornes. Dans le sens que nous avons des capteurs qui captent presque tout, de la reconnaissance faciale au RFID. Cette technologie, elle est made in Africa. Elle arrive à résoudre bon nombre de problèmes que nous avons et aussi à fluidifier certains services. Alors, nous avons aussi décliné cette borne en borne médicale, en borne de télémédecine. Cette borne de télémédecine aujourd'hui, c'est l'outil du futur. Imaginez-vous simplement être connecté à cette borne avec un médecin devant cette borne et qu'on arrive à capturer tous vos signes vitaux, de vos battements cardiaques qui passent en graphe, à l'image thermique, la thermographie pour détecter le cancer. Nous avons des instruments comme le capteur ultrason aussi, pour vous permettre de voir le cœur ou un fœtus, tous diffusés sur cet écran de cette borne. Et toutes ces images sont rediffusées vers d'autres ordinateurs, PC, tablettes de d'autres médecins qui sont dans la même ville, dans d'autres pays, sur d'autres continents, mais qui arrivent tous à voir ces informations en temps réel. Nous sauverons ainsi des vies, nous empêcherons des morts. Ces bandes sont là, elles sont fabriquées, elles sont présentes. Tout ce dont nous attendons, c'est d'avoir des partenaires dans le monde. C'est d'avoir l'OMS, c'est d'avoir l'ONU, c'est d'avoir le PNUD pour qu'ils s'intéressent, pour qu'on puisse enfin utiliser ces technologies africaines ici en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde. Pour aider les médecins, pour aider les patients, digitaliser tout un système, créer tout un écosystème qui permet aux patients de survivre quelques jours de plus, quelques mois de plus, quelques années de plus, grâce à cette technologie. C'est ça aussi Tulip Industries. Merci.